Hey yo les amis, c'est Amé, on se retrouve aujourd'hui pour ce 13e épisode de Kirby et le monde oublié. Et avant de commencer cet épisode illustre dans lequel nous allons encore devoir essayer de sauver Elphine, qui n'est toujours pas sauvée, rappelons-le, prenez compte en tout cas du message qu'il y a en tout dans le chat où Linkle vous dit abonnez-vous les gars, ce serait gentil. Il vous le dit très fort, donc c'est pour ça que je l'ai dit très fort. Mais voilà. On y va avec le pouvoir du feu de Dieu. Parce que pour l'instant, j'aime bien ce pouvoir. Après, on va dans un oasis. Est-ce que dans un oasis, prendre un pouvoir de feu, c'est le meilleur truc à faire? J'en suis pas sûr, mais bon, on va voir. Cache-cache dans l'oasis. J'imagine que donc dans les trucs secondaires à faire, faut qu'on trouve des trucs cachés. Lol. En plus des Waddle Dee. Il y en a quand même 5. Ok. Waouh, ça c'était stylé quand même. Hop, ça s'est cassé. Oh non! Mon pouvoir du feu de Dieu, il est parti! Ah! Mais je peux pas t'avaler. J'ai une boquette! Tiens, donne-moi ton pouvoir, toi. Ce sera mieux que rien. Crève un peu, toi. Ouais, hein, tu me saoules. Attends, par contre, toi, c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière, là. Ok, ok. Ok, je le savais. Et un Waddle Dee caché. D'ailleurs, attendez, là où il y avait l'autre serpent, il n'y avait pas un autre truc de caché du coup? Étrange. Par contre, je t'ai tué toi, non? Pourquoi tu reviens? C'est un pouvoir, attendez. C'est quoi ça? Fais un geste près de la piscine, sérieusement? Mais c'est ça du coup le dernier pouvoir? C'était genre le pouvoir de faire la sieste? What? Attendez, mais... C'est le pouvoir le plus éclaté, moi je me suis dit, oh, on l'a toujours pas vu, peut-être qu'il est stylé, tu vois? Et non, en fait, c'est le pouvoir de faire la sieste qu'on n'a pas encore eu. Ok, non, il y avait rien ici. Nouveau power, tu dors et après t'es full vie. Ah ! Ah oui, donc en fait, c'est un bon pouvoir pour se régénérer, quoi. Oui, c'est vrai que dans le jeu, quand tu t'endors, t'es full life. Ouais, ok, d'accord. Ok, non, parce que moi, je me suis dit... Ok, super, tu t'envoles. Je suis content pour toi. Comme on est censé te buter, toi. Ah, je sais. Je crois savoir, en tout cas. Est-ce qu'on peut le buter, même? Je suis en train de me poser la question, mais... On peut peut-être pas le tuer, hein. Ou alors seulement quand il ouvre la bouche. Bon, bah, je sais pas si on peut le tuer, du coup, on va peut-être pas le tuer. Ronflex censeur, hein. Allez, là, la capacité repos. On dirait les... Comment dire?
les cactus de Mario, quand on les tape, ils descendent d'un étage jusqu'à mourir au final. Allez, meurs s'il te plaît. Voilà. Et une bucket in. L'eau, la meilleure arme, indice. Ouais, je sais qu'on peut avaler de l'eau pour, bah, je pense pour enlever ça, tu vois. Mais, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas avaler l'eau, hein. On peut pas avaler l'eau ici, hein. Regarde. On peut pas avaler l'eau. Pour battre la grosse bestiole, oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de truc. Mais là, on peut pas aspirer de l'eau, vous êtes bien d'accord, non? Enfin, ou alors je m'y prends mal et je suis totalement idiot, mais... Genre, il me semble pas qu'on peut aspirer de l'eau ici. Alors par contre, les gars, si vous croyez que je n'ai pas vu ça... Me prenez pas pour un débile. Pour le trancheur circulaire. Oh, c'est ça? Level 3 pour lui? Ah! Ok. Bon, là, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Mais où est-ce qu'on a de l'eau? Ok. D'accord, donc un Waddle dit sauvé, ok cool. On en a pas loupé, ça c'est ça m'intéresse, ça c'est le plus important. On peut pas, ouais non on peut pas. Par contre, peut-être qu'ici, qui m'a l'air d'être une je sais pas une bonbonne à eau là, un château d'eau je veux dire, peut-être qu'il y a un moyen pour récupérer de l'eau ici. Ou pour tout simplement devenir un tuyau. Ça marche aussi. Ah ouais! Eh bah écoutez, ça fait le taf, hein. Mais du coup, là, on en a loupé un, non? Non, toujours pas. Oh, nickel. Genre, il y a du maïs en haut d'un cactus. Hein. Ça, c'est pas possible, ça. On peut réessayer le truc, mais pour l'instant, en vrai, on est bon, je pense. Merde. J'ai fait une capture... toi, c'est pour le pouvoir de la taupe, ça m'intéresse pas des masses. Meurs, s'il te plaît. Ah, là on peut, là-haut, là. Là on peut, ouais. Là-haut, on le voit, on pourra. Oh putain, il fallait le pouvoir de la taupe. Mince. Ok, il y a une taupe là-haut. Thank you very much. Hop. C'était juste pour de la bouffe, d'accord. Ok, on peut pas aller là même si on est dans le sol. Waouh. Intéressant et en même temps gênant à savoir. Voilà, là on se remplit et là on va les défoncer. Avec là. En fait là on joue à Mario Mario Sunshine bien évidemment. Hein. Le nom du jeu a changé. Vaincre deux coags venimeux.
Ok, on va essayer d'en vaincre deux du coup. J'espère qu'on pourra en vaincre deux en tout cas. Je sais pas à quoi ça sert. Puisqu'on peut passer en dessous. C'est débile, non? Je sais pas. Voilà, nickel. Je trouve qu'on a, on a plutôt bien géré là, le truc, hein. J'étais un peu concentré à pas faire de la 2. La... Ouais, de la 2, hein, clairement. Parfait. Non, on peut pas logiquement, ouais. Le métal, on peut pas trop creuser dedans. Alors du coup, le bail c'est que si on peut, si on a buté l'autre là, comment on fait pour... C'est quoi le pouvoir que tu donnes toi déjà? Apparemment aucun. Let's go. Ok. C'est peut-être lui notre deuxième... Ok. Y aurait pas un deuxième tuyau là? Let's go! Let's go! Ça c'est génial ça. Ok. Non, une seule crevaxe s'il te manque. De quoi une seule crevaxe qui me manque? Allez, allez, on te lave. Tu es sale, Mélissandre. Toi aussi, tu es sale. Y'a rien ici? Ah! Reviens ici, toi. Hop, on a récupéré lui. Non, une seule crevasse s'il te manque. C'est-à-dire, Nono. J'ai pas trouvé le dernier truc, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, écoutez. On a tout, on a trouvé tous les Waddle Dee, on est à la fin. Let's go! Hey! Et le dernier, c'était creuser tous les monticules de la salle secrète. Effectivement, j'ai remarqué que j'en ai loupé une. Et du coup, c'était ça, effectivement. Le canon. Ok. D'accord. Effectivement, Nono, tu l'avais. On a presque fait un perfect du coup. Au centre Aviel. J'ai pas eu le temps de lire à la fin. Ah ouais. Au centre Aviel, l'entrée par l'entrée du personnel. Ok. On a combien de... On a 1000... Ok, on a 1000 pièces. Oh! C'est la foreuse niveau 3? On l'a même pas encore? Ah non, c'est à niveau 1. Je veux dire, putain, ils nous mettent déjà à niveau 3. Ah, mais ils nous mettent peut-être la niveau 1 parce qu'on n'a pas la niveau 3. Je sais pas. Ok, donc ça c'est la fin.
Ok. Ok. Let's go. Bah, on a win du coup. Hop, c'est pas de se barder. Mais en vrai, franchement, c'était plutôt propre. On ne sait pas tant que ça plantait dans celui-là. Bon, voilà, on a 24 secondes de trop, mais c'est pas grave, qu'est-ce que c'est? Ce défi est trop dur. Ah ouais? Oh, ça va. Tu sais, une fois que t'es par terre, après, tu crains pratiquement plus rien. Donc en vrai, ça va, hein. Enfin, une fois que t'es dans le sol, là, tu crains pratiquement plus rien, donc en vrai, ça va. Course au canon. Ok, bah go. Fonte glissade et course au canon. Pouya! Allez! Hop. Non. Oh non. Faut essayer, on est obligé. Ah non. Déjà, si tu rates ça, c'est mauvais. Lui, il est dur, je veux bien le comprendre. Pareil, ce petit défi est méga dur pour le record. Bon, là, ok. Réessayer, on a raté. Pan.
Non mais non! Comment tu peux rater ça, mec? Ah! Mais t'es sérieux? Je roule dessus et il s'allume pas. Attends, quoi? Pour la Pogafcelle, va plus vite, maintiens ZL. Ah! Ouais, mais là, non. Pas trop envie qu'elle aille trop vite, hein. Vraiment, là? ZL. Ok. Ah d'accord, ok, je vois. Non, putain. Est-ce qu'on a le temps? Non! Et voilà, j'ai raté. Ah, il est trop difficile, ce stage. Que quand t'es dans le canon. Oh, bah oui. Du coup... Mais non mais frérot, déjà si tu commences comme ça, ça va pas le faire. Ça me saoule. Genre là, je te roule dessus et tu t'allumes pas. Ok. ZR fonctionne aussi. Bon à savoir. Allez. Parfait. Parfait. Nickel. On a réussi. Ça va. Salut Babyrox, salut. Ça va? Ah, oh, à 3 secondes près, à 4 secondes près on l'avait. Tant pis. En vrai, on s'en est quand même bien sorti. C'était plus compliqué, mais ça va. Ouais, ça va. Écoute, la petite stream tranquille ou pépou, je sais pas encore jusqu'à quelle heure. Mais tranquille ou pépou, le petit stream. Donc ouais, ça va. Et toi? Comment veux-tu? Comment vas-tu, mon ami? Ah! Oh! Oh! Petite pêche, là! Les 155 codes dit que vous avez déjà sauvé une leur force pour grandir encore le village. Ta. Zone de pêche, quoi. Zone de pêche. Vous pouvez à présent jouer à pêche éclair. Lancez votre ligne et tentez d'attraper de belles prises. What the fuck? Ouais. Ça je sais, par contre je pense pas qu'on aura assez de... Non, on n'a pas assez. Pour les deux pouvoirs, on n'a pas assez. En revanche...
Il y a un nouveau sommeil, hein, le sommeil dans notre game spell qui te plaira. Donc oui, hein, pour régénérer sa vie. C'est plein de Treasure Sugar, je peux mettre ça au point, donne-le-moi Kirby. Très bien, laisse-moi préparer les outils. Bah écoute, tant mieux. Hein. Bah lui, pour le coup, il m'intéresse. Du coup, fais voir. Encore une petite minute, laisse-moi, je suis trop fatigué. Bien se reposer, ça permet de restaurer sa santé. Voilà. T'es mal à taille dure. On peut même pas sauter. Bon. Du coup, ça. Non, ça, j'ai pas envie. Je suis pas un grand fan de ce pouvoir. Mais par contre, je préfère carrément celui-là. Allez, on fait évoluer celui-ci. Et on va le prendre. Pour le prochain épisode. What? Ah ouais. C'est violent là. Ah, attendez. Désolé. Et bah pour les gens de cet épisode là, et bah vous savez quoi? Vous verrez ce pouvoir demain! Allez, sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner si c'est le cas. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Allez, ciao.